J'adore, c'est valide. Mais des fois, j'ai dit non. J'ai toujours dit non. On est en train de regarder The Voice. Nous sommes pas bien, Lou. Hey tout le monde, on espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre tout premier vlog. Du coup, je suis trop contente. Je comptais pas trop faire de vlog sur la chaîne, etc. Mais vous étiez nombreux à me demander. On se retrouve pour Lou Fit Family in Paris, parce que j'ai trop kiffé la série Emily in Paris. Bref, aujourd'hui on va partir sur Paris, on est samedi, on reste jusque dimanche dans la journée. Donc voilà, on vous embarque avec nous, on va voir ce qu'on va faire. Ça s'est fait tout seul. Donc voilà mes chéris, on vous embarque avec nous, vous allez nous suivre un peu, voir ce qu'on va faire comme activité, voir le Airbnb qu'on a pris. Bref, nous suivre et rester avec nous. J'espère que ça sera bien et en même temps comme ça vous pourrez grave suivre nos petits délires qu'on a tous les jours, etc. Donc là il est, je sais pas il est quelle heure. Alors le chemin c'est il est quelle heure? C'est par là le chemin. À quelle heure? Il est... À quelle heure? Maman. Alors il est 10h36 et là on va mettre tous nos manteaux. Lilou elle l'a déjà. Swan aussi il a déjà son manteau. Il est prêt avec, c'est pas à lui hein, la canette de Red Bull c'est à moi. Et mon chéri est en train de prendre son dernier t-shirt. Puis les petites valises sont faites. Moi je prends toujours une valise énorme genre pour un jour. Et ça c'est, et pour, ça, c'est pour eux. Parce qu'eux ils prennent qu'une tenue de rechange. Mais moi en fait j'aime bien faire des shootings etc. quand je vais dans des beaux lieux. C'est quoi, c'est une crotte de pigeon quoi? Une dentifrice. Bref, non. Du coup, ben voilà, on a nos valises et let's go. Le chemin, c'est pas là-bas. C'est là-bas, là-bas le chemin. C'est là-bas. Elle est dans l'excès, mes chéris, sur la tenue. Mais j'aime beaucoup trop ça, et en plus de ça, bah. Allez, let's go. C'était tout pour moi. Du coup, on est parti. Comment te sens-tu? Donc voilà mes amours, let's go. On se retrouve une fois qu'on sera arrivé à Paris. Oh non. Je suis excitée, vous savez pas. Parce que ça fait 3 semaines que j'ai pas eu de week-end. On est arrivé. Ok. Ça a été grave vite la route. Bravo. Donc mes chéris, on est arrivé à Paris. Du coup il fait super moche. Il pleut de fou. Je dois faire pipi genre à mourir et tous les restaurants sont fermés. On peut pas rentrer dans le Airbnb avant 14h. Il est 13h. Je sais pas comment je vais faire. Lui il va me déposer. Entre deux voitures? Non. Oh ah, la comédienne drama girl. Oh yeah, pipi. Oh le piment c'est... pipi. Le piment c'est... Est-ce que vous avez déjà eu envie de faire pipi jusqu'à ça vous pique dans les dents genre mais... J'ai l'impression que mes dents ils vont tomber tellement je dois faire pipi. Vite, trouve-moi un endroit. Vite. Mais là entre deux voitures regarde. Hop. Entre deux voitures. Mais chérie il faut trouver un... Vous voyez les trucs que tu mets une pièce ça s'ouvre et tu peux faire pipi genre t'as 2 minutes pour faire pipi avant de te prendre une douche dans la tronche genre lavage automatique. On appelle une petite cabine. Allez, 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 challenge. T'as 2 minutes maximum pour me trouver un pipiorium. Pipiorium. Oui. Oh, celui qui dit le mot pipi, je le défonce. Pipi. Oh la nignonne. Oh la nignon. Oh la nignonne. Non. Graal. Yeah, on a trouvé un toilette, mes chéris. Bravo, mission accomplie. Bon, franchement, bon. Bon, mes chéris, du coup, on est arrivé dans le petit appartement. Il est trop mignon, regardez, genre. Bon, il est petit. Je m'attendais à ce qu'il soit plus grand, mais en soi c'est pas très grave parce qu'on est en plein dans les Champs-Élysées et du coup c'est quand même un luxe d'avoir un appartement de cette taille. Regardez,
Les moulures au plafond, Kevin. Non mais... Le lustre et tout. Et là, déjà je vais pouvoir faire mes meilleures photos. Bon, je me suis pris la pluie, du coup c'est un peu compliqué. Mais regardez, c'est trop beau. Et là du coup, on a un grand miroir au-dessus de la cheminée. Et la télé, elle est dedans. C'est trop bien. J'aime trop. C'est exactement ce genre d'appartement que j'aimerais avoir sur Paris, genre un jour. Je l'espère. Regardez comment c'est trop beau. J'ai répété 10 fois trop beau, bref. Ici, on a un petit balcon, mais vraiment le temps il est nul. Enfin, on a un grand balcon plutôt. Donc pareil, j'essaierai de faire des jolies photos. Un petit shooting photo, comment j'ai parlé, genre shooting photo, parce que quand je viens dans des endroits comme ça, bah j'en profite pour faire mes photos de la semaine pour Insta encore. Donc là, je suis vénère parce que je me suis prise la pluie. Du coup, comme j'ai les cheveux ondulés de base et j'en ai vraiment beaucoup, j'ai une touffe dégueulasse, donc je sais pas comment je vais pouvoir les mettre pour que ça passe à peu près. Mais voilà, mon chéri il est parti chercher Marine Light, nous chercher un petit quick en même temps parce qu'il est passé 15h et on n'a pas encore mangé. Je vais me remaquiller un peu, puis je vais voir ce que je peux faire. Livraison gratuit. La tête, regardez, elle vient de se prendre la pluie de fou pour aller au cuic, genre. Oh. C'est trempé. Je peux pas m'empêcher. Moi, j'ai plus qu'un seul trou dans mon ventre. Mais j'ai regardé comment elle tremble. Elle avait tellement hâte de le manger. Avec son bout de salade sur la joue, non. Il danse. Voilà comment je m'organise du coup quand je pars. Genre, je fais des petits. Je sais que je vais faire des photos et tout. Je mets par tenue. Je prépare toutes les tenues à l'avance chez moi et dans mon téléphone. Donc je vous montre, je mets les photos des looks, comme ça je sais que tel look va avec tel bijou, avec telle paire de chaussures, etc. Et voilà quoi, tada. Ils sont vraiment énormes. J'ai pris ceux-là, j'ai pris mes Dior et les Dior Custom. Mes amours, regardez, je me suis fait un look très parisienne. Très parisienne. It's amazing for the two day. I'm the free, I'm the maiden. And the fittest and the maker is there tending my house and the brace gallery. And my lust is here and I treat my children. It's a paste tot. It's a paste. J'aime bien. Bon du coup moi je suis en train de terminer mon shooting avec cette petite robe de chez Bou que je dois shooter pour la Saint-Valentin. Après on va faire une photo ensemble. Ouais. On fait une photo ensemble. D'accord. Et lui regardez, joue en face d'un micro, mais franchement il n'y a pas de normal ici genre. J'ai fait dernier. Chez le Kilkam. Yo. Et Swan, allez. Attends. Oh toujours moi en fait. Viens, on va te mettre en train de jongler. Vas-y, à toi, à ton tour. Mais on dirait que tu jongles avec tes pieds. Regarde le front.
fous quoi dans les toilettes, toi, sérieux? J'aime les balles. Je vais voler ta caméra. Oh, attends, attends, regarde, je vais faire une prise. Je danse avec les stars. Arrête. Arrête. Maintenant, on va tout préparer, le petit apéro, etc. Ensuite, on va se commander un petit truc. Quoi? Je sais pas quoi. Et puis, on va se poser devant The Voice. Aïe! Devant The Voice. T'as attrapé un poisson? Putain, on devait faire des TikTok, on peut même pas. Vas-y, vas-y, exprime-toi, exprime-toi, vis la musique, vas-y, vis la musique. Non, danse contemporaine, je veux que de la danse contemporaine. Vas-y, vas-y, vas-y Lilou. Allez. Voilà, faites la danse de salon, de la danse de salon. Allez. Allez Lilou. Vas-y Lilou, Lilou qui a fait 2 ans de danse classique. Montez ta lampe danse classique Lilou, allez. Avant qu'on se fait virer de l'Airbnb tellement on est bruyant. Allez. Trop content, franchement, on n'a jamais raté un épisode d'une saison, n'est-ce pas, monsieur? Mais chérie, dites-nous en commentaire si vous kiffez The Voice. En tout cas, nous, on va se poser et regarder un peu The Voice. On va terminer la soirée tranquillement. Regardez la différence sous l'ampli-guide ordinaire, satisfait ou remboursé. Quand on s'est rencontrés, il cherchait à tout près ma passion. Dis que je pue. Menteur, voilà. On est en train de regarder The Voice. On ne sent pas bien, Lou. On peut faire des trucs de fou. Vous êtes bon The Voice. Avec des rires. On va m'étonner, on peut aller. Bon, mais ben, regarde, tu fais comme ça. Arrête. Je suis en sortie. Tu dis que c'est moi qui est censé choisir en fait. Oh, arrête. J'ai envie de la buer. Oh Michel, tellement tu fais la gueule, j'ai tout volé. Panier aussi. Panier? Ok. C'est bien toi derrière. C'est beau. En vrai, mon père, mon documentaire. Avec sa couche de graisse. Nous allons faire croire à ma maman qu'il y a une petite fille qui va la surprendre derrière pendant qu'elle regarde dans la fenêtre. Horreur. Mais t'es pas folle, toi? T'es malade. Mais non, c'était un prank. Oh, mais t'es folle, je vais me venger. Oui. T'es Lilou. Une interprétation spéciale. Vas-y. C'est un crash. Pour la tâche, 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 pour la tâche. Maintenant, il est minuit, on a toujours pas digéré l'Airbnb. Attends. Mais ça devrait pas tarder. Attends,
regarde, regarde. Et là tu guettes, là j'ai su, bisous. Bon mes amours, dans 2 minutes on est dehors. Réellement dans 2 minutes on est dehors, moi je vous le dis. Ils ont déjà à partir de 22h30, plus de bruit, le propriétaire il habite juste à côté. Vas-y, surjoins papa. Non, aussi. Oh Paris, Paris, Paris. Oh Paris. On vient de se réveiller. Deuxième jour. Ah Paris, 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 Lilou. Lilou. Aujourd'hui est un nouveau jour où tu vas pouvoir manger. Allez. Si vous voulez réveiller Lilou, parlez de bouffe, après elle est de bonne humeur pour toute la journée. On va manger quoi Lilou ce midi? McDo. Ouais. Bref, du coup là on vient de se réveiller, on va tous se préparer. On doit partir du Airbnb avant 11h. Et là il est 10h. Et il nous reste même pas une heure. Alors vite, tu te laves, tu t'habilles. Mes amours, je suis en train de me maquiller et je me rends compte que j'ai oublié mon démaquillant. Donc du coup hier soir j'ai dormi maquillée, je déteste ça mais genre ma phobie. Et là je suis obligée de me remaquiller genre par dessus mon maquillage. Oh. Jacqueline regarde par la fenêtre. J'aime beaucoup ses oreilles. Je vais à Lidl et une jolie fille m'accueille. J'adore. Je la retrouve au resto, la serveuse me trouve trop beau. J'adore, je vais en Lidl. Mais des fois, j'ai dit non. Ils sont complètement connes ces oreilles, mais chérie, c'est ma mère qui lui a acheté à Action, mais c'est vraiment abusé. Allez, bref, on y va, stop, on y va. Attends, on va faire un double. Pour une fois qu'on peut chanter et tout dans une vidéo. Bon, du coup, là, on a été mettre de l'essence dans la voiture. D'ailleurs, car comment tu racontes notre vie? Bah, attends, c'est un vlog, c'est un peu le concept et le but. Hein. Bah, raconte-moi la vie. Bah, c'est le concept. Bref, du coup, on est parti mettre de l'essence. Là, on va rester un petit peu sur Paris, mais pas longtemps parce qu'il pleut. Enfin, vraiment, il y a un temps, vous voyez, dégueulasse. Du coup, je vais peut-être aller chercher le cadeau de Saint-Valentin de monsieur. C'est même pas tout de suite là, ça va. Mais tu arrêtes de commenter, je vous fais tais-toi, toi. Et du coup, après, on va rentrer à la maison. Donc, voilà. On va voir. Où on va? Je me demande bien ce qu'il va m'acheter. Que t'as dit que t'allais acheter aujourd'hui? Je me demande bien ce qu'il va me prendre. Elle me force. Du coup, je choisis la boutique Disney Store pour mon cadeau. Ouais, bon, mes chéris, du coup, on se retrouve 2 jours après parce que j'ai oublié de terminer mon vlog à Paris. Ce qui s'est passé, c'est que, en fait, comme je vous avais dit, on essayait de trouver une boutique et Prada était fermée. Il y avait plein de boutiques de fermées. Il gelait. Comme vous savez, en ce moment, il gèle. Il fait trop froid. Du coup, on s'est dit, vas-y, on reprend la route et on a tracé vers chez nous. Donc du coup mes chéris, si le vlog vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Au moins comme ça je sais que je peux en faire plein d'autres. Si ça vous plaît, je vous en ferai un par semaine ou un toutes les 2 semaines, etc. Donc n'hésitez pas à liker, que je sache, surtout si ça vous plaît. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire, c'est pas un vlog genre où il y a eu plein de trucs, plein d'activités. Parce que comme vous le savez, bah, avec le Covid c'est compliqué, c'est... Voilà, ça parle de soi-même. Mais en tout cas, c'est notre petite vie. Et donc, j'espère que ça vous plaira de nous connaître plus dans notre vie normale. Je fais plein de gros bisous. Et on se donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. Mouah. Au revoir, Lilou.